S'il fallait que je résume, disons, ce que j'y vois, sans rentrer dans les détails, je dirais que dans le sein d'un système social et familial extrêmement dur, extrêmement refermé sur lui, verrouillé depuis des décennies, puisque c'est dit dans le texte, arrive un être qui représente l'incarnation de tout ce qui est la transgression de ces ordres vieux dominés par les hommes. Mélisande apparaît comme une espèce d'élément perturbateur, infiniment ouvert, extrêmement beau, mais sans signification particulière. Elle ne témoigne pas d'une psychologie, d'une personnalité dont on pourrait dire voilà, c'est un personnage. Elle est là comme un principe de vie, elle est habitée par un vouloir vivre extrêmement puissant, et c'est dans cette forme de disponibilité qui est presque surnaturelle, qui dépasse bien de beaucoup toute idée de psychologie, de cohérence psychologique telle qu'on pourrait l'imaginer dans la vie normale. Mélisande est un principe fondamental, un principe de vie qui arrive et qui fait exploser, par cette non-affiliation aux ordres habituels, à toutes les règles sociales et familiales, elle fait exploser ce petit monde. C'est une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, de libératrice, mais profondément incomprise. Et quand on ne comprend pas la libération, on en fait une catastrophe. Pour moi, évidemment, c'est impossible de représenter Mélisande à une autre époque que la nôtre. C'est quelque chose qui continue. Disons de pouvoir. Ce qui est fondamentalement en jeu dans cette œuvre, c'est quelque chose qui nous concerne encore aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire du Moyen-Âge, ni même une histoire de la fin du XIXe siècle. Je pense qu'on continue d'être travaillé par les mêmes tropismes, les mêmes angoisses, les mêmes difficultés à articuler, disons, notre besoin de liberté et l'indispensable limite qu'apporte la société. Donc les choix sont très simples. Il s'agit d'une cour princière, donc ils sont plutôt bien habillés. Ça se passe dans un lieu qui n'est pas du tout un palais, mais qui fait exister très fortement la matière d'un espace à la fois clos, enfermé sur lui-même, et ouvert à des directions, disons, plus immatérielles. Un espace qui est traversé par une sorte de météorologie, par des nuages, par de la lumière. Maeterlinck a cette particularité qu'il met toujours en rapport la vie profonde des êtres et justement la vie invisible de l'intériorité en rapport avec le cosmos, avec toute une météorologie spirituelle qu'il met en scène dans ses pièces de théâtre. Certaines autres pièces de Maeterlinck sont vraiment incroyablement traversées de météores, de manifestations surnaturelles, de nuages, d'orages, d'éclairs, etc., qui correspondent toujours à quelque chose d'invisible qui est en train de se produire et qui est l'action centrale, qui est l'action principale, qui est l'action qui l'intéresse. C'est très intéressant de voir comment Maeterlinck adopte la plus plate banalité des rapports, des situations immédiates de premier plan pour mettre en scène autre chose qui a lieu. Ce qui fait qu'une attente, un silence, une réunion, une traversée de l'espace peuvent, sous leur apparente pauvreté, être le symptôme, l'indice d'autre chose d'immense, d'effrayant, de fondamental, de relié aux significations les plus profondes. Donc, dans le cas de Pélias et Mélisande, c'est ça tout le temps, c'est ça absolument que Debussy a compris. Et qui fait que, justement, parfois, même pour des dialogues dont on s'est beaucoup moqué d'ailleurs à la création au début du XXe siècle, pour des dialogues très pauvres, apparemment, Debussy a développé une musique d'une extraordinaire richesse, une très grande complexité, avec des couches et des couches de motifs qui s'entrelacent et qui finissent par produire une forme de vibration, de halo de signification et de sensation, de sensualité qui environne la figure. C'est ça que je trouve très intéressant et c'est ça que j'ai envie de mettre en scène. Plus que de plaquer des significations, si vous voulez, je voudrais délivrer l'œuvre avec tous les contrastes, les dynamiques, les intensités qu'il faut, sans prédéterminer pour la réception du spectateur une signification qui serait mon interprétation, dont je ne vois pas pourquoi elle serait meilleure que la leur. Donc c'est un spectacle à la fois très engagé et très disponible. Je pense que Pélias et Mélisande, dans la musique, la rencontre de la musique de Debussy avec le texte de Maeterlinck, opère l'une des réussites les plus extraordinaires qui soient entre deux disciplines, entre deux arts. C'est vraiment une réussite absolue. Et dans l'histoire de l'opéra, dans l'histoire du théâtre, dans l'histoire des arts en général, c'est assez rare. Mais c'est un cas vraiment très particulier. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un des arts dominant plus important que l'autre. Debussy n'aurait jamais écrit cette musique sans
l'œuvre de Maeterlinck. Et c'est merveilleux de voir à quel point son écriture musicale fait pousser ses racines les plus profondes et les plus délicates dans le corps de cette écriture. C'est une vraie lecture. D'ailleurs, Debussy a opéré des coupes. Il a un peu réduit, un peu retravaillé le texte, sans changer un mot, mais il a juste opéré quelques coupes. Et la version du livret, la version de Debussy, la version de l'opéra, est bien meilleure que la pièce originale. Ces coupes sont justes, elles témoignent d'une profonde intelligence. J'ai fait le travail de comparaison très précis, j'ai recopié la pièce intégralement en comparant les deux versions. C'est très intéressant de voir à quel point Debussy améliore le texte. Sur ce plan-là, c'est une réussite absolue.